Il faut avoir goûté les soirs désespérés dont on pouvait jouir dans nos tristes paysages pour en comprendre les attraits. Le ciel ou les nuages y tenaient toute la place. Rien n'existait là que par rapport à eux. Sombre plaisir du mois de janvier, on vivait dans ce œil d'orsay au ras du flot, les mains violettes dans une rumeur de coquillages sur le balcon d'un monde à l'envers qui remontait du fond des eaux, fragile, précieux, immatériel, énigmatique, tremblant et déchiré comme sur un vieux film. Dora. Dora. Te souviens-tu de ces choses? Te souviens-tu des soirs lumineux comme des icônes qui figeait le ciel autour des clochers et des églises et faisait clapoter sur l'eau l'ombre chinoise de toute la ville. Te souviens-tu, Dora, de ces crépuscules qui promettaient tant de choses? C'était le royaume du bonheur qu'on attend et qui ne viendra pas. Et le secret génie des îles n'était jamais plus fort ni plus aigu qu'au crépuscule, quand le soleil s'en allait comme un dernier espoir. Nous revenions, Dora, par les barrières, la tour Saint-Gilles, l'impasse des trois voleurs. Baudelaire y rôdait dans l'ombre. Shakespeare s'y sentait comme chez lui. Il le disait dans Le Roi Jean. I remember. I remember when I was in France. The young ones looked as sad as the night for the only pleasure of being sad. Je me souviens. Je me souviens quand j'étais en France que les jeunes gens s'y montraient tristes comme la nuit pour le seul plaisir de la chose. Nous cultivions les tristesses du roi Jean, Dora. Dans les faubourgs et dans les îles, nous connûmes sans façon d'être mélancoliques, sans façon d'être heureux par la mélancolie, sans contrefaçon de l'amertume. Et privés de malheurs illustres, nous les demandions à la chanson de l'aveugle. De l'injustice, on ne compte plus les coups. Ils sont nombreux, ceux qui n'ont pas de méfiance et qui toujours se font tordre le cou. Chaque soir les trouve dans la désespérance. La vie n'est pas faite pour ces pauvres gens. De leur malheur, ils veulent la délivrance. Dans un monde où seul règne l'argent. L'aveugle était le roi du faubourg. Sa chanson faisait partie de la rumeur des îles, car le faubourg s'y ajoutait esthétiquement, comme la Corse à la carte de France. Il en formait le prolongement sentimental. Nous passions par le faubourg pour continuer notre vertige.
Et le vieil aveugle en était le barde, le génie barbu, le gardien du grand seuil. Nous l'appelions Monsieur Panado. Mais Alexis, il n'était pas Monsieur Panado. Non. Pourtant, vous ne comprendrez jamais notre aventure si vous ne sentez pas cet homme, si vous ne l'aimez pas, s'il ne vous fait pas peur. Nous lui avions donné le nom de ce personnage mystérieux qui commençait à se matérialiser dans la cour du collège, au moment où la lumière du jour et les lampes électriques se combattent. Monsieur Panado eut par la suite une importance considérable dans nos vies. Produit inquiétant de la pénombre, il était issu de rumeurs vagues, de souvenirs confus et de nécessités poétiques. Quelle apparence lui donniez-vous ? Oh, c'était le lézard mou né dans les alluvions d'une subconscience collective. Sa silhouette inconsistante et sa substance gélatineuse faisaient de lui le plus magnifique têtard de notre mare la plus morte. Un personnage si inquiétant dès cette époque embryonnaire que nous avions dû inventer un slogan pour nous rassurer nous-mêmes à son égard. Heureusement, Monsieur Panado. Heureusement que nous avons vu Monsieur Panado. Et que nous pouvons être tranquilles de ce côté-là. Voilà. Le rite commandait de répondre que, l'ayant vu, nous pouvions être tranquilles de ce côté-là. Mais ce n'était pas vrai. Jamais personne ne pourrait être tranquille du côté de Monsieur Panado. Il sera toujours possible en tout lieu et en tout moment qu'il intervienne dans nos destins comme l'affreux boucher assassin de Hambourg, un monstre mou, un mucilage à tentacules. Aussi vaut-il bien mieux se faire croire qu'on a vu Monsieur Panado. Mais pour lors, il était le vieil aveugle du faubourg. Oui. Quand il ne chantait pas au carrefour de l'impasse et de la rue des Nonains Saint-Gilles, nous cherchions à le voir derrière le petit rideau rouge du débit de la femme sauvage. Tiens, regarde, il est là. Mais je vois rien, moi. Il y a de la fumée. Oh, ce que t'es cloche. Quoi? Au fond, il est assis à une table. Ah, oui. Celui qui est tout chaud? Oui. Il est en train de boire du vin. Oh, ben dis-nous ce qu'il est là. Laisse-moi approcher. Oh. Il y en a pour toi, pour ce fil. Je vois rien, je suis trop petit. Oh, bah, crame sur mes épaules. Tu siotes maintenant? Ah, oui. Il a des lunettes vertes. Ouais. C'est lui, Monsieur Panado? Oui. Ouais. Oh, dis donc. Dis donc, il est pas si moche que ça. Oh, mais pour faire peur. Oh, ça oui. Oh, dis. Dis donc. Oh, j'y croyais pas qu'il existait. Mais maintenant. Oh. Maintenant. Ah, ouais. Maintenant qu'on a vu Monsieur Panado, nous pouvons être tranquilles de ce côté-là. Nous partions vaguement rassurés quand nous avions entrevu dans un coin, au-dessus d'un verre de vin violet posé sur une table poisseuse, le halo de sa calvitie qui blanchoyait comme une espèce d'hostie infâme au-dessus d'un calice de sorcier, car ce fond de bistrot voûté évoquait le couteau sanglant et la messe noire. Voilà. Voilà la vie et ses tristes méprises. Voilà son ardente aventure. Ce sont les rêves éveillés de l'adolescence. Ce sont les plus sûrs. Depuis, nous avons voyagé. Jamais nous ne sommes allés plus loin qu'à cette époque. Frédéric Lamourette n'était pas le dernier à rôder dans les îles. Il délaissait son cheval, la bicyclette, nos jeux habituels. Il allait aux îles comme à sa malaria. Et il en rapportait des croquis, des quantités de dessins, des plans. Regarde celui-là. C'est le moulin à vent. Oui. Et ici, les vieux cafés de la berge. Dis, tu trouves pas formidable toutes ces maisons mortes, abandonnées? Aussi. J'ai rapporté ça aussi. Un reste de papier peint de la chambre du meunier. Fais voir. Ah, mais c'est du pochoir. Le papier devait être rose vif dans le temps. Et cette racine, pourquoi l'as-tu prise? Pour sa forme. Elle est belle, non? Oh, tu dessines vachement bien, Fred.
Tu vas les garder, j'espère, tes croquis. Sûr, j'ai une boîte dans ma chambre pour mes trésors. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Un chausson de danseuse. Un chausson de danseuse? Mais où l'as-tu trouvé? Dans une des maisons mortes? Penses-tu? C'est un souvenir de famille. Oh, raconte-moi. Il appartenait à Lily Bürzner, qui a joué un rôle déterminant dans la vie de mon grand-oncle Emmanuel. Celui dont tu m'as dit que ta famille l'avait maudit, le musicien? Exact. Celui que Wagner avait encouragé en lui écrivant sur une carte postale « Monsieur, vos clarinettes sont des velours verts. » Il est mort à Budapest, mon grand-oncle Emmanuel, à l'hôpital dans la misère, en laissant pour tout héritage des factures d'hôtels de Bruxelles, de Rome, de Prague, de Vienne, et aussi le chausson de Lily Bürzner. Et crois-tu qu'elle était sa maîtresse? Sûrement une femme qu'il avait beaucoup aimée. Tu me le montreras? Si tu veux. Ce chausson, c'était de la gloire et de la défaite. C'était de l'Europe. Ça allait avec la racine, le morceau de papier, et ça ne pouvait servir à rien, mais c'était autant de jalons. Sur la piste de quoi? Sur la grande piste, évidemment. Fred, il tenait plus qu'à son succès aux examens. Et peut-être à force de chercher, trouverait-il ce qu'il devait trouver. Il fouillait les îles, les maisons mortes, sans se lasser, comme un chien dans une poubelle, et dessinait à tour de bras. Il avait inventé sur de grandes feuilles de papier bleuté l'âme du quai interminable et vide, le mystère de l'enseigne banale de la fabrique des meubles Cardono, la maison plate du Grand Tournant, et cette dame seule qui passe sur la berge en plein soleil l'après-midi, le cou entouré d'un boa, mais pareil, on ne savait pourquoi, à l'épouvante. Et ce fut avec ça qu'il remplit son attente. Et tant il attendit, qu'il fit venir Dora. Alexis. Oui, madame. Alexis, ne croyez-vous pas le moment venu de mettre un peu d'ordre dans ce délire? Si nous plantions d'abord le décor, ces îles par exemple. La première, dans notre jargon, était l'île de la mâchoire, parce qu'un triste jeudi, perdu dans le vent glacé, nous avions trouvé dans le clapotement des eaux vertes une mâchoire de bœuf ou d'âne. Et c'était vraiment tout ce qu'on pouvait demander à un endroit aussi lamentable. Nous avions porté ce débris au plaisir de Corée sur une plaquette en bois recouverte de velours rouge avec une étiquette, ainsi rédigée « Mâchoire de poète breton du XXe siècle, entre parenthèses Finistère, mammifères européens ». Va pour cette mâchoire de poète breton, après tout, on a vu des gens prendre des vessies pour des lanternes et ils n'avaient pas 16 ans. Oh, croyez-vous? En tout cas, ce ne sont pas les lanternes de la raison qui nous ont fait apercevoir une lumière sur l'île du Moulin à Vent. Par trois fois, cette lumière nous apparut au sommet de la tour en ruine. Qui pouvait venir dans ce moulin des îles? Quelqu'un venait y chercher un souvenir perdu. Oh non. Ces îles étaient vraiment la chose la plus inutilisable du monde, seulement une rêverie stérile du soleil sur les sables, une réverbération sans but. Elle vous permettait d'attendre. Oui. D'attendre Dora. Et je dis cela? Il me semble. Alors qu'elle vienne. Nous avions tant besoin de sa présence pour justifier nos chimères. Une silhouette mince et furtive, vêtue comme un pêcheur, mais avec des cheveux blonds qui débordaient du suroi. Une fille. Elle avait sauté dans la barque, dans la nuit, dans nos vies, le temps d'un éclair. Nous restâmes un instant contre le garde-fou du fleuve, l'oreille tendue, le cœur battant.
Nous venions de flairer la grande piste. Taisez-vous, je m'adresse au postulant. Il doit être dans la sérénité. Monsieur Alexis, vous êtes complètement nu. Un postulant doit être surmonté de la couronne initiatique. Ne vous l'a-t-on pas dit? Vous vous êtes oublié. Greffier Breton, coiffez cet affreux et faites-lui accomplir la grimace numéro 3. Monsieur Alexis, connaissez-vous parfaitement vos devoirs? Savez-vous que, membre conscient du club des plaisirs de Corée, vous devez, par toutes vos pensées, réussir à vivre en intégrant dans un style nettement breton une atmosphère purement chinoise? Oui, monsieur le président. Vous avez trouvé sur les rivages du fleuve une mâchoire de poète breton du XXe siècle. Cette découverte vous honore. Vous en avez fait don au club. Ce geste vous sera compté. En foi de quoi? Le conseil vous reçoit et vous adopte. Oui. Mes chers camarades, veuillez entonner en hommage à notre nouveau membre l'hymne chinois. L'hymne breton. Monsieur Alexis, nous vous recommandons vivement désormais de porter dans nos cérémonies la coiffe de Pont-Aven et la culotte bouffante. Bien, monsieur le président. Et maintenant, expédions les affaires courantes. La première question à l'ordre du jour concerne le satyre de Ryotor. Alors, je propose de lui assigner résidence dans l'île du Moulin à Vent. Y voyez-vous une objection? Messieurs, messieurs, nous ne saurions admettre que notre municipalité consentît à se dépouiller d'un satyre si honorable. Nous le garderons donc intact pour le bon renom de la contrée. C'est lui qui occupera la tour et continuera fidèlement à allumer les feux de campement dans la région. Je suis certain que dans vos cœurs, vous ne lui refuserez pas vos voix. Greffier Breton, écrivez. Adopté par acclamation. Messieurs, nous ne lui refuserons pas notre admiration unanime. Nous disions donc, quant au phénomène lumineux qui accompagne la besogne du satyre, quant aux lucioles et autres phosphorescences, feux follets, télégrammes, lanternes vénitiennes et divers scintillements suspects, quant aux rumeurs du fleuve, froissements de roseaux, barques insolites, chansons plaintives, frissons de fantômes et fariboles de second ordre, nous en ferons une pure légende pour soulager notre greffier breton. Non, absolument pas. Je proteste. Nous voulons les attribuer à monsieur Panado. Eh bien, soit. Mais non, écoutez, c'est du gâchis. Tout ce qui est légende revient au fait. Nous le donnons à la reine des îles. Vous savez bien la reine des îles, dans le ballet du fleuve d'Olivier. Le ballet du fleuve, Firadon. Mais vous êtes des ignares en matière de musique. Ouais. Bah, on n'est pas tous mélomanes. Je vous le fais pas dire.
Olivier, mais ça vaut du poulet. Vous vous rendez compte, ma chère madame, ma chère madame? Allons, messieurs. Pour faire plaisir à notre ami Potter, nous attribuerons les diableries du fleuve à la Dame des îles. Je suis pas d'accord. Et nous n'hésiterons pas. La maison ne reculant devant aucun sacrifice pour satisfaire sa nombreuse clientèle, a donné la main blanche, royale et aquatique de cette sirène au plus sympathique des membres du club des plaisirs de Corée. J'ai nommé... Brevier, le petit bonheur. J'ai nommé Frédéric Lamourette, le plus breton chinois des plaisirs de Corée. Bravo, Lamourette, vous êtes donc devenu, de par notre volonté à tous, roi breton, délégué des plaisirs de Corée sur les îles de la Mâchoire, administrateur du moulin à vent chinois de toutes les îles, bourgmestre chinois du satire. J'ai dit un banc. Mes chers administrés, je vous remercie de l'honneur qui m'échoit aujourd'hui. Messieurs, la séance est levée. Fred Lamourette, ici présent, épouse la reine des îles. Et Monsieur Panado, qu'il importe de conserver, travaille dans l'ombre contre le bonheur de ce couple si sympathique. Vive la Chine! Vive la Bretagne! Vive le Finistère et le Tibet!